Azora, please. Abonnez-vous. This is it, man. It is what it is. Wanangwe mita ina mambo mengi. Tunakutanisha na mnyama mkali. Donc Goma inakuya tena na ingine generation. Donc miziki ya Goma iko napanda kinyama sio poa. Je pense bien nye peke mwenda kutana parce que c'est une star extraordinaire. Mwanafanya fierté ya Goma leo yu mwanangu. Tumezoea kusikia huku na kule hapa na pale mpaka mnalalamika eti miziki ya Goma. Sa leo imechange. Je pense mwuko nasikia miziki yake mwuko na découvrir. Leo hii mnajiuliza ni nani? Jo anahiti Goma sasa. Donc amefanya featuring za mingi avec des grandes stars, donc wa légende, walifanya muziki walianza zamani kule na mpaka leo ni mnyama. Alors ku faire découvrir ni nani njo mwenye tunalalamika sana Azora Plus na mua. Basi usahau kujabone kushene yetu ya YouTube Azora Plus na kutujua ni kipi kinajiri kwa mitandao. Tunakutanisha na mnyama. Basi tunaenda hapa tuko top 5 mwanangu. Unaona donc nafasi ya kwanza ya poa kila siku na kila leo. Unapenda mapiza bien kila kitu ni hapa wale wanyama wakali. Tuko na mnyama ni bro. Ni sawa bro, ni sawa. Uko bien? Niko poa poa kabisa. Unapendeza bro. Asante sana bro. Isdras Melo mnyama bro, hauyaniangushaka bro. Baba niko hapa. Unafanyaka kazi ya bien, donc tunonaka. Alo, Isdras Melo, umekuwa msanii mwenye unajituma sana. Umefanya kolabo na basanii ba mingi. Et là, je vois Nadia Bukami, Kenya. Donc, je peux dire, c'est juste légende, parce qu'elle yanza mizike zamani, amefama kolabo. Sijua ulijisikia kupata kolabo na msanii mkubwa sana mwa Afrika. Donc, mwenye anafanya poa. Kwangu ilikuwa furaha sana. Nadia Mukami c'est quelqu'un mwenye iko na fierté ya East Africa. Dernièrement lui ba Afrima Award East Africa ya bafie. Donc anajikaza sana, ni mtu mwenye ni poa sana. Alinikaribisha vizuri Kenya, tulifanya kazi ya poa, ikanipatia tena gu, ikanipatia experience ya musique. Donc mnivo moi vie ya bien sana. Nikasikia vraiment c'est quelqu'un de bien vraiment. Donc Goma tunajua sana. Goma kuko système ya internet iko chini sana. Lakini tumeona miziki yako ukaposte mu quelques minutes, donc au moins plus de 20 minutes déjà on a fika madika, donc tunataka tuko nafuatilia chaîne yako. Sijui unatilize nini parce que Goma basani banalalamika, unaona au akaposte il faut temps, sijui nini. Alors sijui unatilize nini pour que fike kule kote. Premièrement kuko maison iko nyuma yangu. Yeah. Top 5. Na top 5 haiko maison ya kidogo. Top 5 ni maison ya kabambi sana. Top 5, quand on parle de top 5, on parle de la promotion. Donc top 5, kazi yao ni kunisupport na kufanya promotion ya bien na kunivendre plus loin. Sijue Goma kwa wasanii ya mingi sana, lakini sijue top 5 pokuwa, donc ulijisikia kaisa unasikia top 5 mpaka uwee unajikuta ile bahati na kuangokea, paske ni kama vile bahati. Ouais, je peux dire ça aussi et na ilikuwa na aussi travaux parce que top 5 ni kutana niko nafanya kazi yangu kidogo kidogo. Ndio maana mimi naambia basani ba mingi Goma hapana kukata tamaa. Ujui na mimi j'étais à zéro. Donc ni kwa niko jitafuta nini ninapata ka 10 nini clip nini audio comme les autres qui se walianza. Mais voilà aujourd'hui nikapata ka ile chance na plus talent et tout. Akona, ça peut faire quelque chose avec moi. Ni ka signé déjà na top 5. Ouais. Alors, umefanya miziki zako imekuwa tofauti. Imekuwa tofauti sana na miziki tumezoea. Sijue wewe umetosha inspiration ya kufanya miziki ya vile wapi? Yote nafatana na wakati. Miziki ni wakati. Sasa tunasema wakati. Tunaona mamoa, tunaona ma période aussi. Muziki ya décembre itakuwa sa muziki ya mu février sikuwa watu wapenda nao. Donc muziki ni ndiko na gisi mina ndani kuna fab yangu, donc vinakuwa sur programme na vinakuwa biko donc moja kwa moja projet kwa project ndio vinatumika ka donc. Alors tukaendelea kutokana na carrière ya muziki parce que au moins hauko wa kwanza kufanya muziki. Bakwambia ushaurie bale ba ndugu yetu, donc bale ba grand ba ya des histoires en musique. Unapasha washaurie nini? Bon, inaweza ambia ba grand waendelee tu parce que walitonesha njia na kama leo tuko nafanya parce que tulikiona ma exemple kushiba, walitupatia ma exemple za bien.
na banafanya poa bote bako fa musique ya la bonne musique dans la ville de Goma. Big up vraiment, je suis en train de voir Patrick Bolisomi, vieux Michael, vieux Lionel le Congo, Lionel Pakalov, donc Voldi Mapenzi, Deti Darba, bako fa musique ya bien, et ça nous a donné quelque chose de bien, non. Donc je suis fier d'eux. Bah combien conseil Willow Miller comme musique qu'on a pas chambre conseil. Non, Willow Miller d'abord ni rafiki yangu. Voici. Na Willow Miller en a fait bien de sa manière. Donc c'est bien comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui sait quoi faire. Donc en a fanya kuwakati. En a tout pati avec tout kuwakati avec. On comprend. Hapa aliachilia ngoma moja hivi hapa dernièrement. Ya mzuri sana, j'ai trop aimé vraiment. Donc Willow Miller fait bien. Kati ya muziki ya Willow Miller na ya Vicky Wayem unapasha sikiliza ya nani? Nyinyi mnatilia hata sawa una unikusikia. Bon, mimi nafuata muziki yote. La bonne musique vraiment, je suis fan. Pour faire musique ya bien, je suis fan vraiment. Na Willow, na Vicky, na fata kazote. Carte de mémoire yako ikayala wanakuambia uvute, il faut recevoir musique yako uvute moi na zile ni option ni mbili tu ya Vicky Wayem na Willow. Eh, on sait vuta mtu na tupa mémoire. Ni nyimbo kote tia pe moi yache mu studio. Bon, il est que c'est une réponse vraiment mais bote wanafanya bien, ce sont mes grands bani tangulia mkale bali kwa na 6 mbele tu. Alors, un coup de chapeau à eux. Ukasikia banasema Bargos. Sijue nini inakuwa parce que je pense mulifanya na collaboration ya chanson ya Gugu Gaga ni chanson imefanya poa. Je vous assure ni niko parmi mtu mwenye disikia mitani mwanangu nikasikia ni chanson imepenya sana donc imefika kwenye niveau moi hivi. Je pense haiko tu kwa réseaux sociaux mais aussi ku watu donc mu quartier mu boîte manini. Sijue idée ilitoka kwa nani? Est-ce que nilikuwa kwa idée ilitoka kwa Barges ama idée ilitoka kwa Isra Smelo? On dit la chanson ni liaison ya vitu viwili donc idée za mwingine na idée zangu gisu liona chanson na kwa na couleur ya bien donc kulikuwa mapatano entre nous pour faire un truc bien. Nisikia mnasema si je me souviens wanangu mitera mambo mengi tuko na mnyama mkali tuko naye wanamuita Isra Smelo ule hani angushaka donc je vous assure il est la star mais aussi il est aussi ambassadeur parce que des top 5 donc la grande maison de la République démocratique du Congo unapenda donc unapenda pizza bien unapenda kinywaji donc il y a bien il y a fraîche face il y a bien restaurant moins à classe et comme standard international ni face moins à tout ni au top 5 mais aussi à y est vrai tout parler et à soutenir aussi une production et artiste et voilà je pense bien vous avez suivi Gugu Gaga, vous avez suivi pas mal de chansons avec la star Isra Smelo. Il a collaboré avec des stars Kenya et d'autres donc je peux dire il y a aussi Rwanda, vous avez collaboré avec aussi Afrique du Rwanda. Oh, on a fait un truc bien qui vient tout qu'on a panga bientôt là, février, mars, on peut lancer. Aussi multumi katena na Lubumbashi parce que on a management ya kwa mekwa na idéologie moya kufungulia. Banaonesha donc je comprends banaonesha muziki parce que si tunaogopa sana si wapasha habari na en plus les gens de Goma nous avons peur pourquoi parce que management ya kwa kuna kupiganisha na batu ya yulu sana una comprendre banakutanisha na yulu na si tunaogopa est-ce que utaweza satisfaire ile c'est leur vision ya mtu donc c'est leur vision management yako. Moi je suis là, je dis chaque jour que musique ne sacrifice. Na moi je suis fait pour ça donc quand je suis dans top 5 niko pale kuja ku satisfaire na balini kamataka parce que balinona que je suis capable de faire quelque chose de faire quelque chose de bien et nous va satisfaire donc je suis là pour afficher au niveau et nous attendre vite et batalomba n'importe quelle chanson n'importe quel style je suis là je vais faire. Vous avez parlé, vous avez aussi collaboré avec Agressivo donc des aussi big up à lui Agressivo Nyandoro baba babo batoto oui. Et dit big up à lui
On a fait un truc bien et maintenant ça fait du bruit. Katanga ni qu'on a pas tant ma feedback, c'est trop bien. C'est trop bien qu'Abissa Katanga va le consommer musique sana. Ta. Si j'ai dit sana, je sais pourquoi. Est-ce que vous avez un ozi à Israël Smelo ko zimika ko muziki ko potea? Tant que ni qu'on a fait musique, donc je suis là. Si à Koufa, n'engal na ma nouveauté, n'engal na ma plus de 10 chansons enregistrées. Plus de 3 clips, tout qu'on a fait, donc je suis là. Si à Choka, n'engal na force, n'engal les jeunes, n'engal Badum Dogo, donc j'ai tout mon temps de faire ma musique très bien na Akil et ça va donner quelque chose. Force gani nye bagge se konayo yenye labda unajua hauna ama yenye wewe konayo yeye hana. Bon, ça je peux dire d'abord Bargo c'est un ami. Qu'est-ce qu'il y a? Na nous tous on travaille. Na moi je vois pas de côté fort et côté faible parce que musique ni kusaidian. Si Dieu au côté faible, je sais pas, mais si Dieu gagne va toi barre quoi quand mais on fait bien parce que je vois que la chanson dit qu'on a un atout, c'est à qui stresse ça va. Bolingo ami, je suis en train de voir ça même que ma chaîne à Pakistan et tout. Donc ça évolue, je me sens bien et tout. Autour on a dû doubler ma effort, ma capacité, ma stratégie nous a fait promo, mais nous tous on est là. Alors, tukaingia kidogo, tuna change kidogo, tunaingia kidogo, parce que nous sommes presque à la fin de notre entretien avec la star Isra Smelo, qui fait la fierté actuellement, République démocratique du Congo, et là je vois Goma, à part Inosa Baloumé, dont vous connaissez Inos B, un jeune leader, donc je dis big up à lui, il y a aussi d'autres jeunes qui se focalisent, qui font bien leur travail. Et voilà, nous avons avec l'artiste qui fait la fierté, je pense, allez sur YouTube, écrivez Isra Smelo, vous allez YouTube, Instagram, TikTok et autres, vous allez découvrir l'artiste. Si du moins, Oya Mskia, qu'on a déjà, donc c'est une grande star, c'est vraiment un grand artiste qui fait la fierté de la ville de Goma actuellement. Alors, Isra Smelo, si tu veux, wakati nilongia na onambia, bro, yo kwa masomo, bro, chunga nirudie, si tu unaweza kadre masomo na mziki. Aujourd'hui, j'ai fait, ni kwa fac classe terminale ya masomo wangu, genre, terminé avec secondaire, ni pite kongine niveau. Ouais, je gère ça très bien, parce que, voilà si, ni kwa sikuwa bijere bien, ka si ça, si quoi pas. Donc, pourquoi partir quand on a parti à pile, c'est ça la vie. Donc, ma somme, on est ma somme, la musique, on est musique. Quand je suis arrivé, je suis arrivé à la maison, je suis arrivé à la maison. Et il a toqué, c'est long comme ça, ni bro. Dio. Kuna wasidia wasidiana. Wanamuke pale wa shari. Ndiyo, wananipendaka. Unafanya hai mwanangu. Bon, ni question, on dit que kupendana haina mbaya, mais usikwenjo focus sana ku wanamuke. Donc kama minakuwa na mwana mwana, kama minapendana maki napendana, mais sikuwe priorite yangu. Priorite ni muziki. Ouais, priorité kabisa ni musique kwanza pour le moment, puis musique na masomo kwanza parce que je viens de terminer ta maliza masomo yane, et puis la musique et rien que la musique et du business, c'est ça. Wambe uchague masomo na musique. Ah, une musique. Eh bien, mesdames et messieurs, donc nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous disons merci infiniment à tout le monde. Nous disons merci à tous, je peux dire, les fans des Azora Plus. Vous êtes en train de nous suivre sur YouTube. Et là, je parle de Tanzanie, Yanni wa Tanzanie, Atunashukuru, wa Kenya, Burundi, Uganda. Nous disons aussi un big up à toute la diaspora congolaise. Donc, je parle de Orebe Bulambo, Papi Kanga, toujours à New York et aux États-Unis d'Amérique. Et nous disons merci infiniment à tous les pays et les États de notre soutenir, Afrique du Sud et autres. Nous disons merci infiniment. On était avec la grande star de la République démocratique du Congo. Et voilà, je parle Goma. Vous pouvez donner un mot. Donc, nous allons parler un peu. Nous donnons directement un mot de conclusion. Donc, vous allez parler de tes projets et tout. Merci pour l'émission. Merci pour l'auditeur.
J'ai dit merci aussi à ma maison de production, Top 5 Group. Quand je parle de Top 5 Group, je vois le boss Eliloka, l'entreprise Mozima, Nabato Bote pour nous soutenir. J'ai dit merci, ça me fait du bien. J'ai dit merci à Kubafan et Angou. Je vois Batu Yambali, Kenya, Burundi, Congo, Tanzanie et partout. J'ai dit aussi courage à nous les artistes, anciens aussi, comme vous avez parlé, Willo Miller, Léon Pagalov, Patrick Bolisomi et les autres. Donc ça nous donne quelque chose, la force quoi. Donc abonnez-vous sur Azora Plus, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Isra Smelo, à ne pas rater rendez-vous qu'on a couru pas bientôt avec Afrique dans février, je pense. On va faire quelque chose de bien. Merci beaucoup, je vous aime bien. Peace. Eh bien, donc, c'était les messages de l'artiste. Et donc, on a Shukuru Kilamtu. Nous en merci à tout le monde. Vous voulez savoir l'ambiance toujours des Goma, venez chez Top 5. Vous allez trouver toutes choses. Disons, merci infiniment à tout le monde. Azora Plus, Top Media. Derrière la caméra, trouvez Shad Bao. Donc, Mnyama, Nyangusha, Kolekianango. Devant la caméra, c'est là-bas, Nirotub Nissan, les Gepa. L'animal qui n'a jamais trompé son cœur. Azora Plus, Top Media. Merci. Azora Plus, abonnez-vous.